imaginons les gars, vous récupérez votre pierre tombale. Donc là, hop, je récupère ça. Bon, j'ai pas plus de place. Si on veut plus de place, faut prendre un grand sac à dos, mais c'est pas le but. C'est pour vous montrer comment stocker les objets. Parce que vous pensez depuis la mise à jour rechargée que c'est plus possible de stocker les objets dans votre inventaire. Eh bien si, je vais vous montrer. Donc je prends mes objets. Bon, je les ai pris dans ma pierre, mais je peux les prendre dans la game, hein, peu importe. Vous venez ici, comme d'habitude, hop. Vous pouvez vous extraire sur toutes les exfi normales ou d'actes. Mais le mieux c'est de prendre les actes parce que les exfi normales vous allez perdre des objets. A partir d'ici du vortex, vous faites Alt F4 sur les PlayStation. Donc bouton PS, fermez le jeu. Et PC, vous le faites quand il y a l'écran noir, maintenant. Jusque là, ça n'a pas changé. Donc bouton PS, fermez le jeu quand vous décollez de l'hélico ou quand vous rentrez dans le vortex sur l'acte 4. Alt F4 sur PC quand vous êtes extrait complètement avec l'hélico ou quand vous avez l'écran noir au niveau du vortex. Vous relancez votre jeu, vous allez tout avoir dans le menu du coup. Vous relancez votre jeu, vous allez sur le zombie, vous allez dans équipement et hop, vous avez tous vos objets. Donc à partir de là, on est d'accord. Ensuite, il y a deux possibilités, soit vous échangez, soit vous enlevez. Des fois, on peut enlever, hop, tout simplement. Comme ceci, directement enlever, vous voyez ma deuxième touche, ma touche à droite, la plus à droite. Et des fois vous n'allez pas pouvoir enlever, il va falloir échanger. Donc vous faites échanger et vous échangez avec un objet acheté, à la place d'un objet acheté. Par exemple j'échange du coup la clé avec un pape 3, tac. Et le pape 3 après je peux l'enlever normalement, comme avant, pas de souci. Vous voyez, et les autres je peux les enlever normal. Certains, vous ne pouvez pas enlever, peu importe votre stockage, que vous soyez à 200, à 10, 20, 50, 100. Depuis la mise à jour vous ne pouvez pas stocker et vous demandez pourquoi, vous dites que c'est patch. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Ce n'est pas patch, c'est un bug. Déjà, si vous êtes environ autour des 200 de stockage, sachez qu'ils vous ont rajouté des objets achetés. Ils vous en ont donné 10 exactement. 3 pap 3, 3 clés lèges et une valise de chaque arme. Donc déjà, ça se prend en compte. Ça se prend en compte dans le total. Ensuite, il faut savoir que les armes de contrebande sont prises en compte aussi également. Donc les armes de contrebande, si vous en avez beaucoup, pareil, ça prend de la place. Donc imaginons jusqu'à 20. Imaginons, on a 200 objets au total. Donc à savoir ce que vous avez dans le stock en objets achetés et peut-être en récompense. Faut tout prendre en compte, vous voyez le total ici de toute façon, 200, plus les 20 armes en stock, plus peut-être que les schémas c'est pris en compte, les schémas je sais pas si c'est pris en compte, je ne suis pas sûr de ça, je pense pas que ce soit pris en compte, pour moi il y a que les armes de contrebande et tout le stock d'acquisition qui est pris en compte, et il faut savoir que vous pouvez monter jusqu'à 238 max, vous pourrez pas plus, et des fois vous buguez un peu avant autour des 220-230, donc si vous avez trop de stock il faudra tout simplement en retirer, pour tous ceux qui sont en dessous de 200, et qui ont quand même le problème, eh bien c'est la même chose, il va falloir retirer du stock. Plusieurs possibilités, soit vous le prenez une game et vous jouez avec, sur plusieurs games, soit vous détruisez tout. Il faut savoir que moi j'étais à peu près à 190-200, j'ai dû retirer 30 objets à peu près pour que ça refonctionne. Ceux qui sont à moins de 30 objets, qui sont à 10-20, eh bah écoutez, retirez peut-être tout, je ne sais pas. Demandez du stuff aux autres ou retirez 2-3 objets jusqu'à temps de pouvoir stocker. De toute façon c'est simple hein, imaginez que vous avez du stock ici là et que vous essayez de l'échanger et que ça vous dit que c'est bloqué, que vous pouvez pas. Ça va vous le dire de toute façon, ça va vouloir supprimer l'objet. Ça va vous dire, êtes-vous sûr de vouloir supprimer machin, vous faites non. Vous allez ici dans votre stock, vous supprimez les objets, les trucs les moins utiles, jusqu'à temps de pouvoir stocker. Et au bout d'un moment, vous allez plus avoir le message d'erreur et vous allez pouvoir stocker en fait, comme ça. Hop, ça se met dans le stock directement. Et voilà, il n'y a pas besoin d'échanger, on a entendu des trucs là, des gens qui échangent des sauts, il n'y a pas besoin d'échanger de sauts des anciens, ni de sauts de la zone 4, donc les sauts en forme de triangle, j'en ai même plus là, je peux même pas vous montrer. Il n'y a pas besoin d'échanger tout ça, ça fonctionne toujours pareil. C'est juste que ça a un peu bugué, il faut retirer du stuff. Et attention, ça peut re-arriver. Ça m'est re-arrivé. Si vous remontez trop en stock et que vous êtes bloqué, vous rechopez l'espèce de bug et faudra retirer à peu près encore une trentaine d'objets. Moi, c'est une trentaine d'objets, ça dépend de tout le monde. Il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, c'est aléatoire. De toute façon, dans tous les cas, on est dans un bug, donc il y a d'autres bugs. Voilà pour ça. Mais en tout cas, vous pouvez monter votre stockage sans souci comme avant, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire votre pierre tombale, vous pouvez monter le stockage. Et voilà, jusqu'à 238. Voilà pour ça. J'espère que l'astuce t'aura plu et t'aura aidé. Pense à liker et abonne-toi. N'oublie pas, on est en live tous les soirs à partir de 18h sur Twitch.